Merci d'être venu ce soir pour échanger avec l'honorable André Mbata Betukumesu, qui est le premier vice-président de l'Assemblée nationale d'Anomir, c'est-à-dire ici en Amérique du Nord, le Canada et les États-Unis. Il est venu parler Congo et nous Congolais, nous sommes là. Il veut vraiment parler avec nous sur le grand thème, le grand sujet, le sujet relatif à l'agression de notre pays par le voisin qui est bien connu, le Rwanda. Et les élections 2023, processus électoral 2023, nous avons beaucoup de questions. C'est lui-même qui est la bouche autorisée. Je pense que bientôt là, il va entrer, mais je signale que parmi nous, il y a Madame l'ambassadeur de la RDC aux États-Unis d'Amérique. Elle est parmi nous. Je pense que les conciles aussi doivent être parmi nous et bien d'autres autorités qui sont encore avec nous. Donc, très bientôt là, on va faire entrer l'honorable premier vice-président et quand il va entrer, on va donner la parole à Madame l'ambassadeur pour son mot de bienvenue. L'honorable est là. Ok, l'honorable, bienvenue chez nous. Comme l'honorable est là, je vais demander à tout le monde de vouloir vérifier les micros pour les mettre en mute de telle manière que, et pendant que l'honorable parle, ou bien quelqu'un prend la parole, qu'il n'y ait pas d'interférences. Et pour trouver la parole, il faut la demander et l'obtenir. On va vous la donner, bien sûr, pour échanger avec le professeur qui est parmi nous. Alors, je vais directement donner la parole à Madame l'ambassadeur qui est parmi nous. Madame, si vous êtes là, vous pouvez prendre la parole. L'honorable Mbata est déjà présent avec nous. Oui, merci, cher fils Fortuna, pour cette initiative. Je voudrais commencer par souhaiter la bienvenue à l'honorable professeur Mbata, notre vice-président de l'Assemblée nationale aux États-Unis d'Amérique. Donc, au nom de toute la diaspora congolaise d'Amérique, je lui souhaite la bienvenue et je suis sûre que mon collègue de New York l'avait déjà fait. Donc, bienvenue, professeur. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Et bon, les Congolais de la diaspora sont très intéressés par ce que vous allez nous apprendre aujourd'hui. D'avance, merci, professeur. Voilà. Vous avez écouté les mots de bienvenue de la part de Madame l'ambassadeur qui souhaite la bienvenue à son Excellence l'honorable André Mbata Betukumesu parmi nous. J'ai vu tout à l'heure là les conciles de New York. Je pense que maman a dit qu'il avait déjà parlé. Vous avez quelque chose à dire à l'honorable? Vous avez la parole. Oui, professeur Georges Zongola. Oui. Oui, vous avez la parole, professeur. Bien. Je suis très content de voir cette affaire. Le professeur Mbata, c'est un de nos grands dirigeants et quelqu'un qui comprend très bien la situation du pays et qui lutte beaucoup pour que notre pays aille de l'avant et qui est maintenant engagé dans la diplomatie parlementaire pour pouvoir convaincre ses collègues à travers le monde de bien fonder de notre lutte pour l'intégrité territoriale et la souveraineté de notre territoire et aussi de mettre fin à cette guerre atroce que le Rwanda nous a donc imposée. Donc, je suis très content pour ceux qui ont organisé cette affaire ce soir, que tous les Congolais doivent être vraiment contents d'avoir quelqu'un comme le professeur Mbata pour nous parler de la situation dans notre pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur, pour ces mots qui encouragent bien. Je pense que bientôt là, nous allons écouter. Nous avons les soucis, les sentiments d'écouter. S'il vous plaît, gardons nos micros en mute et ne parlez que lorsqu'on vous donne la parole. Excellence, vous avez la parole. Bon, merci beaucoup. Je tiens d'abord à saluer tous les compatriotes
de l'Amérique du Nord. Je sais qu'il y en a nombreux sans doute au Canada, il y en a ici aux États-Unis, il y en a bien sûr dans d'autres pays, même de pays européens, même sur le continent, qui ont pris le rendez-vous de ce soir. Donc, Fortuna et toute l'équipe d'organisation, je tiens sincèrement à vous dire merci. Je dis également merci à nos ambassadeurs. Il y a eu d'abord Madame, notre ambassadeur aux États-Unis, qui a pris la parole en premier lieu, que je salue. Je salue également et remercie le professeur John Zongola, notre ambassadeur auprès des Nations Unies. Je tiens donc à leur dire merci très sincèrement, spécialement ici à New York, l'accueil qui nous a été réservé. Je suis vraiment reconnaissant pour cela. Le fait d'avoir ce soir nos deux ambassadeurs, ceux qui représentent la République, ceux qui représentent le président de la République et la nation congolaise tout entière, est parmi nous, cela me va tout droit au cœur et c'est un honneur qu'ils ont bien voulu me rendre. Je tiens à les remercier très sincèrement. Je remercie donc, comme je l'ai dit au début aussi, tous les compatriotes qui vont nous suivre ce soir. Je me trouve ici aux États-Unis et avec une délégation du Parlement de notre pays. Nous étions venus donc répondre à l'invitation de l'Union interparlementaire qui est organisée à New York, au siège même de l'Organisation des Nations Unies, une audition parlementaire autour du thème de l'eau pour tous, de l'eau pour l'humanité, investissons dans l'avenir. Nous, en tant que Parlement congolais, donc au nom de la République, nous étions envoyés pour prendre également part à cette audition parlementaire qui vient de se terminer aujourd'hui à New York à 18h. Eh bien, au cours de cette audition parlementaire, nous avons pris la parole. Nous avons pris la parole pour dire que lorsqu'on parle de l'eau, nous sommes également, nous, la RDC, nous sommes un pays solution. Un peu comme l'avait dit son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du sommet sur l'environnement. Si nous sommes un pays solution en matière d'environnement, en ce qui concerne le réchauffement climatique, nous sommes également un pays solution en ce qui concerne la crise de l'eau. Une crise qui affecte l'humanité et qui va sans doute l'affecter davantage au cours des années qui viennent. Et prenant la parole à cette occasion, nous avons tenu à présenter notre pays. La RDC regorge en fait c'est plus de 50% des réserves en eau potable de tout le continent africain. Donc nous avons avec le fleuve Congo, qui couvre 98% de la superficie de notre pays, avec nos nombreuses rivières, nos lacs, nous sommes donc ce que j'ai déjà appelé le château d'eau de l'Afrique. Nous pouvons fournir de l'eau à la plus grande partie du continent africain, surtout à des pays qui sont en proie à la désertification. Nous pouvons fournir de l'eau à une bonne partie de l'humanité. On ne pouvait donc pas parler de l'eau sans que la RDC soit présente à l'occasion de cette audition. Mais j'ai tenu également à dire ceci aux participants à cette audition. J'ai tenu à leur dire que nous sommes bien sûr un pays solution à la crise de l'eau, mais nous ne pouvons pas jouer ce rôle. Il y a des facteurs qui nous empêchent de jouer notre rôle comme pays solution en matière de crise de l'eau. Et parmi ces problèmes auxquels nous sommes confrontés, il y a effectivement l'agression rwandaise. Le Rwanda, le président Paul Kagame, depuis le mois de juin de l'année dernière, agresse notre pays. Nous sommes agressés par le Rwanda. Le Rwanda le fait d'une façon directe en envoyant les troupes des forces armées rwandaises et indirectement, le Rwanda nous agresse à travers les marionnettes terroristes du mouvement du 23 mars ou du M23. Le Rwanda nous agresse pour plusieurs raisons qui sont essentiellement économiques. C'est pour voler nos richesses naturelles, c'est pour les piller, c'est pour exploiter illégalement. Le Rwanda donc se comporte dans ces cas comme véritablement un État voyou. C'est un État voyou qui nous agresse depuis le mois de juin. Et après
Maintenant, je crois que les faits sont établis. Le dernier rapport des experts des Nations Unies qui a été rendu public le 10 février, qui vient d'être rendu public, eh bien, ce rapport des experts des Nations Unies a établi de façon claire et sans équivoque que la RDC, notre beau pays, est agressée par le Rwanda. Il n'y a donc plus aucun doute, ce rapport doit être discuté aux Nations Unies. Donc, je tenais à l'ordre que cette agression rwandaise est l'un des facteurs qui empêche la RDC de jouer son rôle de pays solution en ce qui concerne la crise de l'eau. Mais malgré cela, comme pays souverain, nous restons optimistes. Nous ne sommes pas une nation qui pleurniche. Nous ne sommes pas, vous avez affaire à 80, plus de, environ 100 millions d'habitants, l'un des plus beaux pays de la planète. Nous avons un très grand peuple. Nous ne sommes pas un pays qui pleurniche. Nous allons mettre fin à cette agression rwandaise, quoi qu'il arrive, le président Félix Tshisekedi l'a dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Mais nous tenions à ce que le monde le sache. Et cette agression rwandaise, je l'ai dit également, s'est faite dans une indifférence presque totale de la communauté internationale. Parce que certaines multinationales, parce que certaines puissances se sont laissées fourvoyer et certaines puissances sont du côté, ont été pendant longtemps du côté du Rwanda. Et j'ai considéré qu'une telle indifférence équivaut tout simplement à une complicité criminelle. Voilà donc c'est le résumé que je peux faire de ma présentation à l'audition parlementaire qui vient de se terminer ce soir même au siège des Nations Unies à New York. Donc, je suis là, comme les compatriotes te l'ont demandé, pour m'entretenir avec vous. J'aurais bien voulu venir à Washington, je reviendrai sûrement. J'irai sûrement au Canada dans le cadre de cette activité. Nous devons faire parler de notre pays. Parce que c'est tout ce que nous avons. C'est le pays que Dieu nous a donné. Notre voix doit être entendue désormais. Nous devons être présents. Et les compatriotes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, qu'ils soient en Asie, sans doute qu'il y en a qui sont en Asie qui vous suivent, qu'ils soient en Europe ou sur le continent africain, que les compatriotes comprennent que nous avons ce beau pays que Dieu nous a donné et que nous devons défendre par tous les moyens. Ce soir donc, il m'a été demandé d'échanger avec vous sur deux sujets importants. Le premier, c'est l'agression rwandaise, et le deuxième, sont les élections qui doivent avoir lieu dans notre pays à la fin de cette année. Commençons donc par le premier point, l'agression rwandaise. Je l'ai déjà dit dans l'introduction, nous sommes victimes de l'agression par le Rwanda. Le Rwanda nous agresse. Et il n'est pas seul, même si nous ne le disons pas toujours. Même l'Ouganda est derrière cette aventure. Ils sont entrés par Bunagana. L'entrée à Bunagana, qui est tout près de l'Ouganda, n'a pu être possible que parce que l'Ouganda a tourné le dos pour permettre aux M23 et aux troupes rwandaises d'entrer dans notre pays. Parce que vous ne pouvez pas entrer par le Rwanda sans la complicité de l'Ouganda. Donc l'Ouganda fait partie de ce complot. Et derrière l'Ouganda, derrière le Rwanda et l'Ouganda, évidemment, il y a ces multinationales. Et la plupart de ces multinationales qui sont derrière le Rwanda et l'Ouganda se retrouvent dans le monde, dans les milieux anglophones. Il y en a aux États-Unis, il y en a en Grande-Bretagne, il y en a en Allemagne, il y en a également en France. Et en dehors des multinationales, il y a effectivement des gouvernements qui soutiennent le gouvernement de Paul Kagame. Et ils entrent chez nous, il y a beaucoup de prétextes. Ils veulent, ils interviennent pour... parce qu'il y a certains membres de certaines ethnies qui sont menacés, les Tutsis sont menacés, mais ce sont des prétextes que le gouvernement de Paul Kagame entretient depuis le génocide. Et jusque-là, ça lui a très bien servi. Grâce à de tels prétextes, ils ont bénéficié de beaucoup de financements. Grâce à des prétextes devant une communauté internationale qui se sentait un peu coupable, ils ont même un secrétaire général à la francophonie. La France le fait. Donc, ce sont des prétextes fallacieux et on a aujourd'hui la preuve
que le Rwanda, les rapports qui viennent demain, des experts même de l'Organisation des Nations Unies, confirment que le Rwanda est, nous agresse et pour des raisons essentiellement économiques pour piller nos recherches, nos richesses, nos immenses richesses naturelles. Eh bien, vous avez appris à un moment donné, le Rwanda était même devenu exportateur de certaines matières premières qu'il ne produisait pas. Comment voulez-vous que le Rwanda devienne exportateur de l'or? C'est pour cela qu'ils nous font la guerre. Le Rwanda avait même une usine de raffinage d'or. D'où est-ce qu'ils pouvaient trouver de l'or? Et certaines communautés, certaines multinationales passaient par le Rwanda. Et dernièrement, par exemple, il y a quelques semaines, nous, au niveau du pays, nous avons procédé, le président de la République était lui-même, c'est lui-même qui a conduit l'opération, il était témoin, pour la première exportation de l'or artisanal. Et vous imaginez, l'or artisanal de vraiment 10 jours, donc une exploitation de 10 jours, cet or-là a été acheté par le Qatar, eh bien, ça nous a rapporté plus de recettes que toutes les ventes qu'il y a eu l'année passée dans notre pays. Et imaginez combien de millions nous avons perdu. Ils occupent cet espace-là parce qu'ils veulent exploiter nos richesses naturelles. Il n'y a pas que l'or. Il y a aussi le coltan. Il y a plusieurs matières parce que notre pays, nous sommes effectivement l'un des pays les plus riches de la planète et nous n'avons rien fait pour que Dieu nous dote de ces richesses. Donc, voilà pour ce qui est de l'agression. Et dans ce cadre, il y a eu plusieurs sommets également. Notre président de la République, c'est un homme pacifiste. La RDC n'a jamais agressé notre pays. Tous les moyens ont été tentés, qu'il s'agisse de Luanda, qu'il s'agisse du processus de Nairobi. Tout a été fait pour que la paix revienne dans notre pays et que Kagame, le gouvernement de Paul Kagame comprenne finalement la voie de la raison. Mais malgré cela, nous avons encore les troupes rwandaises chez nous. Nous avons encore le M23 qui occupe certaines de nos localités, mais nous avons dit, nous n'allons pas dépendre uniquement de la communauté internationale. La guerre, ils peuvent gagner une cité, ils peuvent gagner un coin, mais nous gagnerons cette guerre. Vous ne pouvez pas gagner un pays de 18 ou 15 millions d'habitants, croire que vous allez dominer une nation, l'une des plus grandes nations de ce monde, avec plus de 100 millions d'habitants, que vous allez régner pour nous pour toujours. Non. Et je crois que c'est un appel qu'on nous envoie à tous les compatriotes, où qu'ils se trouvent. Nous allons gagner cette guerre. Et nous devons nous mettre debout, que chacun se souvienne un peu de notre hymne national. Et il faut également reconnaître le travail diplomatique qui a été fait avec le président Félix Tshisekedi. Grâce aussi, il faut reconnaître nos ambassadeurs accrédités ici, deux nous écoutent, ils ont également joué un rôle. Pour la première fois, le monde entend un autre son de cloche. Pour la première fois, on commence à condamner le Rwanda, même si ce n'est pas toujours sincère. Les États-Unis se prononcent, même la France et l'Union européenne. Pour la première fois, ce n'était jamais arrivé. Ça, c'est grâce à la diplomatie adjacente menée sous le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il faut dire que dans ces domaines, le président a contribué à assurer une certaine visibilité à notre pays sur le plan international. Au pays, nous avons réussi la visite de plusieurs personnalités importantes de ce monde. Nous avions le roi des Belges qui est venu pour montrer la confiance qui nous témoigne. Nous venons de recevoir sa sainteté, le pape François. Donc nous sommes désormais présents sur la place internationale où on doit compter avec nous. Donc voilà donc ce qu'il en est de l'agression qui continue. Mais je crois que nous sommes en train de nous organiser. Nous allons mettre fin à cette agression du Rwanda. Et je crois que le Rwanda, je l'ai dit dans d'autres forums, Paul Kagame a commis une erreur. Il croyait seulement que le président Félix Tshisekedi, c'était comme tous les autres présidents, il pouvait s'amuser, il pouvait blaguer avec le peuple congolais. Non, nous allons mettre fin, on va donner des leçons au Rwanda. Sous ce régime, on mettra fin à l'agression rwandaise et il n'y a rien. Il n'y a pas de raison pour lesquelles nos compatriotes qui sont au pays ou qui sont à l'étranger, qu'ils se sentent complexés, abattus dans leur âme. Non. Notre débout congolais, nous sommes condamnés à être debout.
Voilà donc ce que je pouvais dire sur l'agression rwandaise. Je sais qu'il y a plusieurs questions qui seront posées auxquelles on va tenter de répondre. Le deuxième sujet, c'est celui des élections. Nous irons aux élections. Nous irons aux élections. Et ça aussi, c'est la détermination du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Et notre détermination à nous tous qui avons lutté contre la dictature. Il nous faut aller aux élections. Les élections, pas n'importe lesquelles, libres, transparentes, crédibles et dans un délai constitutionnel. Avec Félix Tshisekedi Chilombo comme président de la République et toutes nos sœurs et tous nos frères qui sont dans les institutions, nous nous sommes convenus de dire non au glissement. Fini le temps où on pouvait, où on devait glisser. On doit rentrer dans le cadre normal, respecter la Constitution. Nous irons donc aux élections dans le délai constitutionnel. Ça a commencé dès le début. Moi-même qui vous parle, comme député, je m'étais déjà trouvé président de la Commission politique, administrative et juridique. Et j'étais également devenu président de la Commission paritaire qui a mis en place la CENI. À l'époque, on nous accusait de tous les noms. Pourquoi est-ce que vous faites le forcing? Pourquoi est-ce que vous accélérez? Mais nous, nous savions que nous devions établir. Vous ne pouvez pas vouloir une chose et son contraire. Vous voulez des élections dans les délais constitutionnels et vous vous opposez à la CENI. Non. Nous avions compris qu'il fallait mettre en place la CENI qui doit nous organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Et nous croyons que nous y allons arriver. Le processus a commencé et c'est maintenant l'enrôlement. Ça prend un peu de temps, mais les statistiques sont bonnes. L'enrôlement s'est fait partout dans notre pays. Aux États-Unis, l'enrôlement des compatriotes va se faire pour la première fois. Cela est en train d'être fait en France, et en Belgique, en Afrique du Sud, en tout cas dans les 5 pays qui ont été retenus, le Canada également. Donc nous allons inviter nos compatriotes à y aller. C'est une première expérience qui ne s'était jamais fait, mais nous devons commencer par cela. Il y a effectivement quelques problèmes qui vont être résolus. Voilà donc globalement ce que je pouvais dire. Et sur l'agression, sur une note absolument optimiste, nous ne pouvons pas être un peuple qui pleurniche. Le Rwanda nous fait ceci, Kagame, au fil des journées. Non, nous sommes un grand peuple. Nous ne pouvons pas être un peuple qui pleurniche à la longueur des journées. Nous devons être un peuple qui se bat, un peuple qui lutte. Et c'est cela que nous avons hérité de l'indépendance. Les élections, nous allons y aller. On va essayer de consolider la démocratie dans notre pays et on va aller à des élections que nous voulons tous libres, transparentes et crédibles. Et que tous ceux qui veulent aller aux élections, qu'ils s'alignent. Que les partis, les leaders politiques, qu'ils s'alignent. Nous ne voulons pas que demain, il y ait encore des protestations inutiles. Évidemment, il y aura toujours des protestations. Mais qu'on demande aux compatriotes de s'enrôler. Voilà donc, monsieur le modérateur, ce que je pouvais dire sur ces deux points. Et je ne dois pas trop parler, sinon je prendrai trop de temps à nos compatriotes qui ont soif de poser aussi des questions. Donc, je suis à votre disposition pour les questions que les unes et les autres peuvent bien vouloir me poser. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Je pense que vous êtes très clair. Je rappelle à l'Assemblée que l'honorable André Mbata est constitutionnaliste. Je rappelle qu'il est le premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire et la loi, ça tourne autour d'eux-mêmes, il est parmi nous. Si vous avez des questions sur la loi électorale, il est là. Nous avons parmi nous Madame l'ambassadeur de la RDC, Maman Marie-Hélène, elle est là. Elle est assistée de papa Georges Nzongola, il est parmi nous, les professeurs aussi. Il y a aussi des grandes autorités ici de différents partis politiques. Je connais leurs noms, je les vois, j'étais même de la société civile. J'essaie de parcourir la liste des participants. Alors, poser des questions, et ça entre dans les oreilles des autorités qui peuvent défendre ou bien apporter la solution de l'un des quatre matins. Je retourne à la technique. Papa Don, est-ce qu'il y a la première question? Comment elle est formulée? S'il y a les gens qui ont écrit des questions, vous lisez la question, vous lisez les questions écrites. S'il y a les gens qui lèvent le doigt, vous nous signalez, on leur donne la parole. Une minute seulement pour ne pas faire trop de commentaires. Une question précise, courte et
Si vous avez déjà posé une question, laissez la place à une autre personne de poser aussi. Voilà. Est-ce que donc KMB nous écoute? Il peut nous donner les questions qui sont déjà écrites? Oui, je suis là. OK, j'ai un petit problème technique. Donc, nous avons deux catégories de gens. Je ne sais pas d'une manière procédurale comment on va évoluer. Il y en a qui ont déjà levé les mains. Il y en a qui ont écrit des questions. Par où faut-il? OK, on commence avec ceux qui ont levé les mains. Nous avons Bekme KMB. Oui, je suis là. Oui, j'ai suivi. Bon, monsieur le professeur, bonjour. Je vous ai suivi avec attention. Ma question concerne un peu cette confusion de la force sous-régionale de l'EAC. Le Rwanda est agresseur au même titre que l'Ouganda, mais dans cette force-là, on trouve que les forces armées de l'Ouganda font partie de cette force régionale censée combattre aux côtés de nos forces armées et pour mettre fin à cette guerre d'agression qui date de plus de 25 ans. Quelle est votre réaction et comment le gouvernement congolais peut accepter qu'une telle chose puisse se faire parce que l'Ouganda est parmi les pays agresseurs et en même temps, il est un des pays fournisseurs de forces qui doivent nous protéger. Voilà de façon résumée ma question. Merci. Alors, je proposerai, nous sommes très nombreux, je propose qu'il y ait trois personnes posent des questions, l'honorable répond et puis nous passons à trois autres personnes. Puis s'il doit répondre question par question pour chacun de nous. Alors, nous allons chez M. Emmanuel Sekiyoba. Okay, s'il vous plaît, professeur. Merci beaucoup, frères et sœurs ici présents. Je voudrais commencer par remercier le professeur Mbata qui est parmi nous. Et je suis d'abord originaire de Bunagana. Je voudrais qu'il le sache. Alors, il y a un complément d'abord parce qu'il fait un travail que nous devions faire, nous tous Congolais, pour montrer au monde que le vrai M23, en fait, c'est la communauté internationale qui a trouvé des acolytes en Afrique qui sont le Rwanda, l'Ouganda et consorts. Ma question est la suivante, professeur Mbata. Je suis de Bunagana, je suis de Rutshuru. Rutshuru est complètement coupé actuellement, c'est devenu un territoire occupé. Et pas plus tard qu'hier, la CENI a déjà commencé à se préparer pour aller faire des enrôlements dans les camps de réfugiés qui sont à Mugunga. Et nos villages, Bunagana, Rutshuru, Kiwanja, dans le Masisi, dans le Buito, ces villages sont occupés par le M23. Ma question est celle de savoir s'il y a un mécanisme prévu pour qu'aucun citoyen congolais digne de ce nom ne soit ignoré parce qu'il est impossible pour l'instant qu'un individu comme moi, je puisse aller me retrouver dans mon village pour être enregistré pour les élections qui viennent. L'autre préoccupation, c'est de savoir, est-ce que notre gouvernement a des moyens pour permettre à ce que nos frères et sœurs qui sont à Kanyaruchinya puissent trouver de quoi survivre d'un jour à l'autre? Je vous remercie, monsieur le professeur. J'attends votre réponse à ce sujet. Merci. OK. La troisième question nous viendra de Marie-Ange Mundela. Bonsoir tout le monde, bonsoir professeur et merci d'avoir accepté d'être présent parmi nous pour cette rencontre. Mes questions ont été déjà posées par les deux premières personnes qui sont intervenues et je vais juste avoir la troisième question que je vais rajouter, c'est celle de la question de la balkanisation. Suivant l'introduction que vous avez faite, nous et toutes les informations que nous recevons et que nous disons non seulement dans les réseaux sociaux et dans les différents canaux de communication, il y a toujours l'épée de Damoclès de la balkanisation qui pèse sur notre tête. Qu'en est-il de ce sujet? Merci. OK. Honorable professeur Mbata, à vous de répondre aux questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je remercie donc Monsieur Kayembe, Emmanuel et Madame Marie-Ange Mundela pour les questions qui m'ont été posées.
La première question, celle de M. Kayembe, concerne la force régionale. Comment est-ce qu'on a pu accepter l'Ouganda qui nous agresse, fait partie de la force, il en est de même du Rwanda, et puis quelle est notre réaction? Et je voudrais dire à M. Kayembe que cette situation-là nous préoccupe. Nous préoccupe, c'est au niveau de l'Assemblée nationale, justement, qu'on a... Nous avions une réunion du bureau de l'Assemblée nationale, présidée par, l'honorable Christophe Mbosso, notre président, une réunion à laquelle nous avons convié notre ministre de la Défense et le chef d'état-major, le responsable de nos forces armées, pour en savoir plus en tant que représentant de la nation au sujet de ce qui se passe avec cette force régionale. Évidemment, la rumeur a été réservée au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Mais ce qui a été rendu public, c'est ceci. Nous avons dit, par la bouche du président Christophe Mbosso, qui exprimait également notre position à nous tous, c'est que nous sommes de bonne foi. Le Rwanda n'a pas envoyé les troupes, mais l'Ouganda est là. Nous avons décidé, dans un délai raisonnable, nous, Assemblée nationale, nous n'avons pas de résultats sur le terrain. Nous allons demander au président de la République qu'on se détache des engagements en ce qui concerne la force de l'EAC. Nous allons nous défendre nous-mêmes. C'est ce que nous avions dit. Donc voilà ma réaction. Ma réaction est celle-là. C'est-à-dire, ce qui est important aussi, c'est de savoir que nous, ce ne sont pas les autres qui vont assurer notre sécurité. Et avec le président Félix Tshisekedi, le commandant suprême de nos forces armées, évidemment, nous traitons avec les autres. Mais la première défense viendra de nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois dans l'histoire de notre pays, on a adopté un budget qui dépasse légèrement les 15 milliards de dollars. Donc, on vient d'un budget de 6 milliards, d'environ 6 milliards sous l'ancien régime. On est à un budget de plus de 15 milliards de dollars. Et dans ce budget, c'est plus d'un milliard de dollars prévu pour les forces armées de la République. C'est pour montrer notre volonté, notre détermination à nous défendre nous-mêmes. Ce sont d'abord les Congolais qui vont défendre leur territoire. Même si nous recourons aux autres, nous ne pensons pas, nos forces armées, le président Félix Tshisekedi, nous tous, nous ne pensons pas que ce sont les autres qui vont nous libérer. Nous allons le faire nous-mêmes. Donc, s'agissant de la force de l'EAC, il y a des délais. Lorsqu'ils ont compris ça, on nous a dit, ils ont revu le calendrier, et je crois que le ministre des Affaires étrangères a dit hier ou avant-hier au cours d'une conférence de presse que le mandat de cette force, c'est un mandat offensif. Et nous, nous allons observer comme représentants de la nation. Et le président Bosso l'a dit, si dans un délai raisonnable, il ne passe pas à l'offensive, nous allons demander au président de la République, chef de l'État, de renvoyer ces messieurs et dames qu'ils rentrent dans leur pays. Nous allons... Ma position, ma réaction à la force régionale, nous avons dit, c'est la même réaction exprimée par le président Christophe Mbosso, le président de l'Assemblée nationale. Leur mandat est offensif, ils ne sont pas venus en touriste. Non. Et nous, comme représentants du peuple, nous l'avons dit officiellement, le président Mbosso l'a exprimé, si dans un délai raisonnable, il ne passe pas l'offensive, nous allons demander au chef d'État, de l'État, que ces dames et messieurs de la force régionale rentrent dans leur pays. Nous allons nous défendre nous-mêmes. Et qu'il soit dit que tout le monde le sache. Ce n'est pas parce que les forces, nous ne dépendons pas de la force régionale. Nous sommes en train de nous organiser. Il y a plusieurs milliers de nos compatriotes qui se sont fait enrôler dans les forces armées, dans la police, par patriotisme pour défendre leur pays. Donc, voilà ma position. Emmanuel qui vient de Bounagana, il est de Rutshuru, il a posé des questions sur la CENI. Emmanuel, je crois que vous avez suivi la dernière réunion que le président de la CENI, Denis Kadima, a eue avec le premier ministre, le ministre de la Défense, pour l'enrôlement dans la troisième zone opérationnelle. Ce que nous devons dire, c'est ceci. Voilà. Donc, je dis qu'en ce qui concerne l'enrôlement va se faire même au Nord Kivu. Même en Ituri, va se faire. Tourouchourou n'est pas occupé par le M23. Il y a trop de diversions aussi sur les réseaux sociaux.
Tout Massis n'est pas occupé par le M23. Ils occupent quelques localités. Bon, mais nous disons ceci. Comme le président de la CENI s'est entretenu, l'a dit au Premier ministre, là où nous pouvons le faire, nous allons commencer l'enrôlement. Là où nos compatriotes, nos territoires, nos localités n'ont pas encore été libérés, là, on va attendre. Là, on va attendre. Mais ce qui est certain, c'est que nous n'irons pas aux élections sans nos compatriotes de Bunagana enrôlés. Nous n'irons pas aux élections sans nos compatriotes de Rutshuru ni de Masisi. Donc, nous devons être optimistes. Nous luttons pour cela. Donc, l'enrôlement va commencer là où c'est faisable, là où les forces, ces terroristes sont encore présents. On va retarder un peu jusqu'à ce qu'on les chasse et que nos compatriotes puissent voter. Mais ils doivent être assurés. Nous n'allons pas aux élections sans Rutshuru, sans Masisi ou sans Lituri. La deuxième partie de la question d'Emmanuel, c'est est-ce que notre gouvernement a des moyens pour aider nos compatriotes qui sont dans les territoires là, occupés par les terroristes, à survivre? Oui, le gouvernement le fait. Il y a plusieurs aides qui sont faites. Le gouvernement a des moyens. Mais le gouvernement, c'est notre sort à nous tous. Nous devons considérer ce qui se passe au niveau à l'est de notre pays comme concernant tous les Congolais. C'est une affaire commune. C'est une cause commune. Le gouvernement a des moyens, mais nous ne laissons pas ça au gouvernement seulement. Je vais vous dire un mot. Avant d'aller en vacances, sur nos propres, les députés et les nationaux eux-mêmes, avant d'aller, ils ont accepté à la demande du président Christophe Mbosso qu'on donne une aide à nos compatriotes de cette partie du pays. Et nous avions dégagé 100 000 dollars pour l'Ituri. 100 000 dollars pour le Nord Kivu. Ça, c'est la contribution des députés. Et là, je voudrais lancer également un appel aux compatriotes, à vous tous qui êtes en Amérique du Nord, vous tous qui me suivez aux États-Unis ici, au Canada ou même ailleurs. Comme ce sont nos frères et sœurs qui souffrent, il serait intéressant que nos compatriotes s'organisent également. Qu'ils s'organisent également pour envoyer une enveloppe, pour aider nos frères et sœurs qui sont là-bas parce qu'ils souffrent. Donc là, c'est un appel qui vous est lancé. Vous pouvez vous organiser. Vous avez nos ambassadeurs. Et ils sont déjà, deux sont là-bas. Notre ambassadeur aux États-Unis, auprès des Nations Unies. Je crois que la communauté peut s'organiser autour de nos ambassadeurs pour préparer également une aide qui va là-bas vers nos compatriotes. Et la troisième question, celle de Marie-Ange Mondela, la balkanisation. Mais moi, je n'y crois pas. On en parle depuis 60. Notre pays ne sera jamais balkanisé. Évidemment, c'est le souhait de Paul Kagame. C'est le souhait de tous nos voisins qui sont jaloux de notre grandeur. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, ce discours de la balkanisation. Mais comme le président Félix Tshisekedi Chilombo l'a dit, nous n'allons pas céder un seul centimètre carré de notre territoire au Rwanda, à l'Ouganda ou à aucune autre puissance. Ce n'est pas notre faute si nous sommes devenus grands, si nous sommes parmi les plus riches de la terre. C'est Dieu qui nous a donné ces richesses. La balkanisation, en tout cas, elle n'aura pas lieu. Et je crois, vous-même, les compatriotes, vous-même, vous n'allez pas le tolérer. La balkanisation n'aura pas lieu et elle ne devra pas avoir lieu. Parce qu'il y a des gens qui ont des ambitions de balkaniser le pays. Elle n'aura pas lieu, mais nous allons nous battre, cette génération, votre génération, où que vous soyez, nous devons tous nous battre, la balkanisation n'aura pas lieu. Et s'adressant à la diaspora, j'ai un peu un message. J'ai vu tout à l'heure, en étant ici aux États-Unis, je parlais de la balkanisation, je crois qu'on était à ce point-là. Oui. La balkanisation, on en parle depuis que nous sommes indépendants. Je disais qu'on en parle depuis l'indépendance, mais la balkanisation n'aura pas lieu. Et n'aura jamais lieu. Et n'aura pas lieu parce que aucun Congolais, vous-même qui me suivez, aucun Congolais n'est prêt à accepter de céder un millimètre carré de notre territoire au Rwanda, à l'Ouganda ou à aucune autre puissance. Et c'est ça qui nous anime. Et n'aura pas lieu. Et nous devons nous organiser. J'étais en train de me référer à une conférence qui devrait être organisée ici à New York le 21 février. J'ai vu le collectif des anciens
des avocats des parties civiles, dont des victimes de la xénophobie, de Tutsi, de Banyamouleng et de Emma dans le Nord Kivu. Ils vont faire une conférence au siège de l'association du barreau de New York. Nous devons défendre notre mère patrie. Les compatriotes doivent défendre et porter également ce message pour l'unité et l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà donc, on peut continuer. J'espère avoir répondu tant soit peu aux questions qui m'ont été posées par Emmanuel, M. Kayembe et Marie-Ange Mondela. Là, nous avons Maître Mbombo Mutangi, nous avons Jean Gandou et nous avons Eric Kamba. Alors, nous commençons par Maître Mbombo Mutangi. Oui. Maître Mbombo. Oui. Oui, merci, bonsoir tout le monde. C'est Maître Mbombo Mutangi. on m'appelle Sina. Maître Magui, je suis ici à Montréal, du barreau du Québec. Moi, je suis la présidente de la communauté congolaise ici à Montréal. J'ai une question par rapport au deuxième volet de l'exposé. D'abord, je remercie Honorable, le professeur, de venir nous entretenir et de nous donner les informations pertinentes que nous allons utiliser dans les différents bureaux où nous allons passer pour défendre la cause de notre pays. Nous attendons l'enrôlement. Ici au Canada, nous sommes un des pays pilotes pour les élections 2023. On attend l'enrôlement. La première partie de ma question est celle-ci. Nous sommes en attente de la réponse officielle de la CENI. Nous avons écrit à la CENI. Je ne sais pas, la CENI nous dit se base sur les instructions de l'Assemblée nationale, donc je vais entendre le professeur là-dessus. On nous a dit que les conditions pour s'enrôler au niveau de l'ambassade étaient de présenter un passeport congolais en cours de validité ou bien une carte consulaire. Ici au Canada, nous n'avons pas eu la vente des cartes consulaires. Ça n'a pas encore été vendu. Peut-être dans les années antérieures, mais depuis les dernières années, on ne vend pas des cartes consulaires. Alors que le règlement sur l'enrôlement des électeurs, spécifiquement l'article 9 et l'article 10, ils disent que pour les étrangers, les documents qui sont présentés au pays, notamment les certificats de nationalité, le permis de conduire, la carte d'étudiant, ou même les certificats de naissance certifiés conformes, avec une preuve de statut valide dans votre pays d'accueil, sont des documents valables pour l'enrôlement. Alors, j'aimerais savoir à ce sujet, pourquoi est-ce qu'on a écarté cette possibilité-là pour les Congolais à l'étranger? Dans l'absence des cartes consulaires, quelqu'un qui a un document de statut valide, qui est résident permanent, ça veut dire qu'il est toujours Congolais de citoyenneté, comment est-ce que nous allons pallier à ce fait pour nous faire enrôler? J'aimerais entendre sur la position de l'Assemblée nationale. Le deuxième volet de ma question concerne l'aspect dont il a parlé tantôt de la guerre de l'Est. J'aimerais savoir le rapport des Nations Unies auquel il a fait allusion. Il a dit que ça a été rendu public. Est-ce que ce rapport-là est déjà accessible ou c'est encore en discussion au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies? C'était mes questions, merci beaucoup. OK, merci Maître Mbombo. Le suivant, c'est Jean Gandou, suivi de Eric Kamba. Bonsoir, honorable. Moi, je voudrais donc intervenir sur le premier volet concernant, bien sûr, les moyens donc pour en finir avec la guerre donc dans notre pays. Alors, je sais que la RDC est membre de plusieurs communautés régionales, notamment la CAC, la CIPGL, la SADEC et aujourd'hui la tristement célèbre EAC, East African Community. Pour mettre fin à la guerre de l'Est, le gouvernement a choisi le soutien de la EAC, East African Community, sachant bien que deux pays de cette communauté, le Rwanda et l'Ouganda, sont directement impliqués dans les massacres des Congolais, dans les soutiens donc de troupes du M23. Alors, je vais poser deux questions par rapport à ça. La première, je ne suis pas un psychologue, je suis un technicien.
est-ce que nous, Congolais, notamment les autorités, nous sommes de masochistes? C'est la question que je me pose. Deuxièmement, est-il possible de mettre fin à cette collaboration avec la EAC et chercher d'autres soutiens tels que la SADC? J'ai dit ça parce que, honorable, vous avez parlé de que la mission de la EAC est une mission offensive, ce qui n'est pas le cas jusqu'à date. Et vous disiez que vous leur avez donné un délai raisonnable. En chiffres, c'est quoi un délai raisonnable? Un mois, un trimestre, un semestre ou une éternité? Merci, j'en ai fini. OK, enfin, Eric Kamba. Et l'honorable professeur va répondre. Ouais, bonsoir, merci beaucoup pour me donner la parole. Donc, je tenais à remercier d'abord le professeur Mbara, que nous attendons d'abord ici à Harvard pour échanger avec les scientifiques. Il faut continuer à faire tout ça. Mais j'aimerais rapidement dire que sur le plan économique et sur le plan diplomatique, notre adhésion à cet état de l'Afrique de l'Est ne profite pas aux Congolais. Et donc, nous avons fait beaucoup d'études là-dessus. C'est mis à la disposition du gouvernement et le professeur peut aller s'inspirer de ça et, pour voir le résultat de ces analyses-là. Deux, il y a le sénateur américain ici de Arkansas qui a déclaré que les zones occupées et, déjà par les M23 ne seront plus récupérables par l'armée congolaise et que l'ONU doit déjà penser à donner un autre statut à ces zones-là. Pour répondre au souci du professeur, il y a des Congolais ici, aux États-Unis ici, qui se sont constitués en groupe de pression et qui font un travail remarquable dans les coulisses, dans les couloirs pour accompagner la diplomatie traditionnelle. Là. Et ils ont contacté tous ces gens-là pour faire entendre la voix du Congo. Et troisièmement, vous savez qu'avec la zone tampon, tout ce que les collègues ont dit là, c'est valable parce qu'on ferme les yeux et la zone tampon là ne fait que s'agrandir. Et, hein, ça va atteindre maintenant Goma et ça sera très, très difficile, même si le professeur nous a donné le message très encourageant qu'il n'y aura pas balkanisation, mais c'est que Paul Kagame avait toujours rêvé depuis longtemps, risque de se faire d'une manière ou d'une autre avec tout ce que nous connaissons là. Donc, professeur, nous vous demandons, quand vous rentrez là-bas lors de vos travaux parlementaires, il faut sortir de cette histoire de trucs de l'Est là. Ça, je vais un peu quand même m'arrêter là pour donner aux autres la chance de parler. Il y a beaucoup de questions. OK, merci. Honorable professeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, mais je n'ai pas suivi la dernière partie de la question d'Eric Kamba. Je commence quand même par la question de Maître Mbombo Mujang, que je salue à Montréal. Bien sûr que j'ai bien envie de venir également au Canada et j'espère y arriver dans les mois qui viennent. Maître Mbombo est la présidente de la communauté congolaise au Québec. Bon, il a parlé de l'enrôlement et des conditions de l'enrôlement. Et je crois que je ne veux pas parler ici au nom de la CENI. Je ne veux pas parler au nom de la CENI, mais ici, il y a quelque chose qui est d'abord quelque chose de positif. C'est que pour la première fois, nos compatriotes à l'étranger, dans quelques pays, vont voter. Parce que justement, on a eu des problèmes. Pourquoi cinq pays? Pourquoi ceux qui sont au Gabon et en Côte d'Ivoire ne votent pas? Pourquoi ceux qui sont en Égypte ne votent pas? On se dit qu'il faut avancer. On nous dit même que Rome n'était pas construite en un jour. Il faut, nos compatriotes ont droit de voter. C'est pourquoi on commence la CENI, on commence avec cette expérience de cinq pays avant de l'étendre à tous les autres pays. On vient donc de très loin. Parce que nos compatriotes n'ont pas voté dans les élections passées.
Alors ici, la CENI nous dit, c'est elle en fait qui organise les élections. Parce qu'ici, disons aussi une chose, nous autres qui sommes en politique, que nous soyons au gouvernement ou à l'Assemblée nationale, ce n'est pas nous qui organisons les élections, c'est la CENI. La loi a donné cette mission à la CENI. Alors la CENI dit qu'il faut quand même une preuve que les personnes sont congolaises. Et là, nous avons appris, il faut un passeport. Parce que s'il y avait le passeport, c'est la pièce d'identité d'un Congolais ou d'un national. Lorsqu'il se trouve dans un pays étranger, la pièce d'identité, c'est le passeport. Je crois que pour moi, et là c'est à titre personnel, le passeport est l'élément capital. Le deuxième élément, c'est la carte consulaire. Ce n'est pas mal. Parce que la carte consulaire permet également à nos ambassadeurs. Je crois que nous devons nous réconcilier aussi avec nous-mêmes. L'ambassadeur doit avoir une idée combien de ses compatriotes sont dans un pays. Parce que l'ambassadeur a également mission, il représente non seulement le pays, il représente le chef de l'État, mais dans le pays où il est accrédité, il a également mission de protéger ses compatriotes. Il a également mission de les défendre, ses compatriotes. Mais comment est-ce qu'il va les défendre s'il ne les connaît pas? Nous comprenons que dans le passé, il n'y a pas eu de carte consulaire, mais des efforts doivent être faits. Et nos compatriotes, je sais que pour plusieurs raisons, nous tous, moi aussi j'étais dans la diaspora, la plupart des compatriotes n'allaient pas dans les ambassades. Mais je crois avec cette élection, avec ce régime, avec le président, ça nous permet de nous réconforter, de nous réconcilier avec notre pays. Les Congolais doivent être libres d'aller dans leur ambassade. L'ambassade, c'est la maison du Congo à l'étranger. Et quand vous allez à l'ambassade, vous aurez votre carte consulaire. Et nos diplomates, ils vont accélérer la remise des cartes consulaires pour permettre l'identification de nos compatriotes. Donc, c'est un pas. C'est un pas déjà qui est fait, mais tout n'est pas encore fait. Parce que certains compatriotes dans d'autres pays ne votent pas. On a choisi quelques pays. Mais il faut qu'on avance, donc que nos compatriotes puissent avoir leur passeport et que, je crois, nos missions diplomatiques vont accélérer également la remise des cartes consulaires à nos compatriotes. Parce que quand vous êtes chef de mission diplomatique, et leurs excellences m'entendent, ils sont là également pour veiller, pour protéger leurs compatriotes. Bon, la deuxième question, c'est l'aspect de pour la guerre à l'Est. Je crois la guerre à l'Est, Maître Mbombo, je ne sais pas, je ne me souviens pas bien, l'aspect de la guerre à l'Est, si vous pouvez me rappeler la question de la guerre de l'Est, la deuxième partie. C'était juste la question de savoir le rapport dont vous avez parlé, qui est maintenant disponible, le dernier rapport du Conseil de sécurité, est-ce qu'il est dans le domaine public ou bien il est encore au niveau du Conseil? Le rapport est là. Mais comme notre ambassadeur auprès des Nations Unies est en ligne, je peux demander au pauvre Nzongola, qui est notre ambassadeur auprès des Nations Unies, s'il peut également directement répondre à cette question. Oui. Oui, j'aimerais bien. Oui, Excellence, il y a notre compatriote qui est Maître Mbombo Mujangi, qui est avocat au barreau de Montréal, il demande des précisions sur le dernier rapport des experts des Nations Unies qui confirme que la RDC est agressée par le Rwanda. Est-ce que ce rapport-là est public ou quoi? C'est pourquoi je vous demande si vous pouvez dire un mot là-dessus. Oui, le rapport a été rendu public le 10 février, donc vendredi dernier. Il est donc disponible. On peut l'obtenir. Si quelqu'un m'envoie leur email, je peux leur envoyer le rapport. Ou bien leur téléphone, numéro de téléphone, on peut l'envoyer par WhatsApp. L'essentiel de ce rapport, c'est de confirmer que le M23 est supporté et équipé par le Rwanda. Et parfois, le Rwanda envoie ses propres troupes, de forces armées rwandaises au Congo. Donc, nous avons des preuves que le Rwanda est un agresseur et c'est un agresseur qui nous a agressés depuis 1996, même 1994, quand ils sont allés
à la chasse de Hutu. Ils ont aussi tué des milliers et des milliers de Congolais. Donc, ils ont commis ce que le pape François a dit, le génocide oublié. Hein? Beaucoup de gens oublient que nous avons perdu des millions et des millions de Congolais, tandis que les Rwandais n'ont perdu que 800 000 à 1 million de gens. Nous avons perdu beaucoup plus. Donc, nous avons intérêt à faire connaître notre souci que la communauté internationale respecte l'humanité du peuple congolais. On ne peut pas parler de certains peuples comme si nous n'existons pas, comme si nous ne sommes pas des êtres humains. Voilà donc ma réponse à la question. Merci beaucoup, Excellence. Je crois que Maître Mbombo a suivi la réponse. C'est la bouche autorisée. C'est notre ambassadeur auprès des Nations Unies et donc aussi auprès du Conseil de sécurité qui vient de donner la réponse. Et il est souhaitable que nos compatriotes, et l'ambassadeur a dit qu'il est disponible, ceux qui peuvent envoyer le numéro, que nos compatriotes, là où ils se trouvent, ils soient en possession là de ce rapport. Parce qu'il y a trop souvent des mensonges. Parce que c'est un rapport qui cloue non seulement le Rwanda, mais aussi ceux qui soutiennent le Rwanda. Ceux qui soutiennent le Rwanda sont aussi aux États-Unis d'Amérique. Ceux qui soutiennent au Rwanda sont également au Canada. Ils sont en Grande-Bretagne, ils sont en France. Donc, il faut que nos compatriotes se procurent, se munissent de ce rapport-là dans la défense de nos intérêts. Merci, Excellence. La deuxième question, c'est celle que j'ai reçue de Jean Gandou. Jean a posé la question sur les communautés régionales, sur l'EAC, une mauvaise affaire. Est-il possible de mettre fin à celle-ci? Et lorsque nous avons dit que nous allons demander au président de la République de leur demander de rentrer dans leur pays dans un délai raisonnable, qu'est-ce qu'on entend par délai raisonnable? Merci beaucoup, Jean. Nous ne pouvions pas fixer un délai précis. Nous disons un délai raisonnable. Un délai raisonnable, pourquoi? Parce que nous sommes actuellement en vacances parlementaires. Et l'Assemblée, tous les députés reviennent le 15 mars. Et nous allons voir comment les choses auront évolué d'ici là. Et parce qu'il y en a aussi qui le disent, pourquoi est-ce que nous ne sortons pas de l'EAC, East African Community? Disons d'abord que notre position géographique, nous sommes à la fois au centre, nous sommes à la fois à l'est, nous sommes au nord, nous sommes au sud. C'est ce qui explique que nous appartenons à plusieurs organisations régionales, à plusieurs communautés régionales. Ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'en fin de compte, nous devrions en être nous-mêmes bénéficiaires. Donc, la décision du président Félix Tshisekedi de nous faire adhérer à East African Community, c'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais est-ce qu'on peut retirer? Il y en a qui disent « retirons-nous ». Mais ici, nous sommes dans ce que les juristes appellent nous avons affaire au droit des traités. L'article 145 du traité qui organise East African Community prévoit les conditions dans lesquelles on peut se retirer. Donc, si l'Assemblée nationale le décide, notre gouvernement peut signifier cette décision au secrétaire général de East African Community dans 12 mois. S'il n'y a pas de changement, nous allons nous retirer. En droit international, on ne se retire pas aujourd'hui, non, nous quittons, non. Nous sommes respectueux, nous sommes un état de droit. Le Congo a toujours été un état de droit, il est davantage sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous respectons le droit et donc si nous estimons qu'à un moment donné, nous devons quitter cette communauté, eh bien, l'Assemblée nationale prendra position. Le délai raisonnable, vous comprenez les termes dans lesquels on l'utilise, on ne va pas fixer un délai. Ce ne sera pas dans tous les cas. Si rien ne marche, nous n'attendrons pas 6 mois pour quitter, pour prendre la décision, demander au gouvernement qu'on quitte East African Community, mais on n'est pas encore là. Et puis, ne soyons pas pessimistes. Je suis parfaitement conscient, moi, que dans 3 mois, la situation aura changé. Et déjà sur le terrain, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Nos forces armées qu'il faut féliciter, qu'il faut remercier, ils ne sont pas en train de dormir. Nous sommes dans une guerre. On n'est pas en train de dormir, on est en train de s'organiser. Je suis, moi, là où je me trouve, je crois que dans 3 mois, on parlera un autre langage au sujet de cette agression rwandaise.
La troisième question, elle est venue d'Eric Kamba, Eric, que je remercie, parce qu'Eric essaie de prendre contact pour nous. Nous allons vous soutenir, sentons-nous tous, pas seulement notre ambassadeur qui est à Washington DC, pas seulement le pauvre George Nzongola qui est ambassadeur aux Nations Unies. Chaque Congolais, partout où il se trouve dans la diaspora, doit se considérer comme ambassadeur de la RDC. Partout où nous pouvons nous trouver. Donc, lorsque un sénateur comme celui de Arkansas, je crois que j'avais déjà réagi contre les propos de Boussman, qui lui, contrairement à Menendez, qui soutient l'opposition, join the meeting. Ce qui était publié sur les réseaux, c'est que Boussman, il y a notamment d'autres sénateurs, d'autres congressmen qui soutiennent le Rwanda. Et là, nous devons nous mettre ensemble, vous et nous, dans le cadre de la diplomatie parlementaire. Nous pouvons quitter le Congo, je peux quitter Kinshasa, et venir nous joindre, nous mettre ensemble pour porter notre message où ? Au département d'État, dans les milieux des universitaires qui comptent, dans les milieux des congressmen qui comptent, pour parler au nom de notre pays. Ailleurs, on a comme l'impression que les Rwandais, ils font plus de lobbying que nous. Ils font parler plus d'eux que nous, même alors que nous sommes même plus nombreux. Et là, c'est un appel que je lance à nos compatriotes. Nous ne pouvons pas laisser les Rwandais faire des meetings, des mensonges, prétendre des mensonges sur les « on tue ceci, on tue cela ». Non, le Congo a combien de détenus? Et puis, qui sont ces Hutus, ces Banyamulenge qui ont demandé à Kagame de venir intervenir? Pourquoi il ne s'occupe pas de chez lui? Qu'est-ce qu'il fait des Hutus et des autres? Nous sommes un pays où nous cohabitons. À l'Assemblée nationale, nous avons tout le monde. Mais à l'étranger, nous ne pouvons pas laisser le temps, comme si le Rwandais qui organise des marches toutes les semaines pour faire comprendre la cause, leur cause, ils trompent, ils mentent. Nous devons, dès ce moment, la partie étant en danger, nous devons tous nous engager à parler pour le Congo et à défendre notre pays. Goma, moi, là où je me trouve, Goma ne tombera pas. Il ne tombera pas parce que les Congolais qui sont là-bas, vous avez vu les villes mortes. Goma ne tombera pas. Ce message des réseaux sociaux, le M23 et le Rwanda ont leurs propres réseaux sociaux pour inspirer la haine ou le découragement aux Congolais. Ils ont leurs réseaux sociaux. Non, ce discours personnel ne doit pas passer. Goma ne tombera pas parce que sur nos compatriotes, nous n'allons pas tolérer que Goma tombe. C'est pourquoi vous avez vu les marches. Parce que les gens ne veulent pas tolérer, ne vont pas accepter. Donc Goma ne tombera pas demain. Au contraire, nous nous organisons pour chasser l'ennemi d'où il est venu, que le M23 rentre en Ouganda ou au Rwanda d'où il est venu. C'est ça ce qui nous intéresse le plus. Mais Goma a pris, on a pris telle ville, c'est là, non. Nous sommes dans une guerre, ils peuvent gagner une petite bataille. Ils peuvent prendre une ville, mais nous allons les repousser parce que notre détermination commune, votre détermination à vous, votre sentiment à vous est le mien. Nous ne pouvons pas tolérer que nous perdions une partie de notre territoire national. Voilà donc Eric. Mais nous espérons revenir avec nos diplomates, avec nos ambassadeurs, avec nos sociétés civiles. Nous faire le tour des États-Unis pour qu'on comprenne ce langage, pour qu'on nous comprenne. Très souvent, on n'a pas entendu quelque chose venant de nous. Et ensemble, nous serons au Canada pour que les autres, ceux qui avaient l'habitude, qui soutenaient Kagame, qu'ils comprennent qu'ils sont en train de faire fausse route. Qu'est-ce qu'ils peuvent avoir du Rwanda qu'ils ne peuvent pas avoir de la RDC? Même ceux qui cherchent des minéraux. C'est la question que je pose souvent aux diplomates. Qu'est-ce que la France peut avoir du Rwanda qu'on ne peut pas avoir chez nous? Qu'est-ce que les États-Unis, qu'est-ce que la Grande-Bretagne, qu'est-ce que l'Allemagne peut avoir du Rwanda, un petit pays comme ça, et qui ne peut pas avoir de la grande République démocratique du Congo? On peut aller à d'autres questions, s'il vous plaît. Il y a des questions de ceux-là qui écrivent avant qu'on revienne à ceux-là qui ont levé les mains. Donc, nous allons revenir. Est-ce que vous pouvez nous lire au moins trois questions de ceux-là qui ont écrit? Comme ça, le professeur va répondre. Merci. Oui, nous avons quelques questions écrites. Je ne sais pas si M. Tshibwabwa aussi y en a. Donc, allez-y d'abord, vous donnez d'abord trois questions avec les noms de gens qui les ont posées. Je commence avec M. John Matanda, je pense.
Sa question est relative aux élections. Il pose la question de savoir, selon les calendriers aux USA, l'enrôlement devait commencer demain. Mais jusque-là, rien de concret. Donc, il voudrait savoir pourquoi. Et la deuxième question est de Prosper Chiwaka. Il demande la question de savoir, le prof a parlé de l'Ouganda, mais pourquoi dénonce-t-on plus le Rwanda alors que l'Ouganda aussi nous agresse? Et la troisième question, Alphonse Kasongo, pourquoi est-ce que les commandements des East African Force Community n'est pas passé sous l'autorité de nos FARDC? Voilà les trois questions. OK, allez-y. La première question, celle de John Matanda, les élections, l'enrôlement, quand l'enrôlement pour ceux qui sont aux États-Unis d'Amérique. En tout cas, en quittant chez nous, Kinshasa, la CENI était en train de s'organiser et pour l'enrôlement au Canada et pour les États-Unis d'Amérique. C'est pour très bientôt. Évidemment, comme il y a des petits retards, je crois qu'ils vont même prolonger ce délai-là, comme ils l'ont fait pour Kinshasa, la première zone. Donc, l'enrôlement pour les États-Unis, l'enrôlement pour le Canada, les équipes sont déjà constituées. Je crois que ceux qui vont au Canada ont même déjà reçu les visas. Il y a aussi un problème de visa pour les délégations qui vont aller pour l'enrôlement. Donc là, je dois dire, c'est pour bientôt. Ça, c'est ma réponse à la question de notre compatriote John Matanda. Prosper Chiwaka, l'Ouganda nous agresse. Mais pourquoi dénonce-t-on uniquement le Rwanda? Bon, c'est aussi une question de stratégie. Nous avons commencé par l'acteur principal, c'est le Rwanda. Mais nous dénonçons aussi l'Ouganda. Mais officiellement, entre nous, compatriotes, vous ne pouvez pas, question de stratégie, je pense, vous ne pouvez pas avoir deux ennemis, faire la guerre sur trois fronts à la fois. Donc, chez nous, il n'y a pas de doute, le Rwanda, l'Ouganda est complice, l'Ouganda surtout avec le fils de Museveni. Et il faut dire que sur place, le fils de Museveni, sa position n'est pas partagée par tous en Ouganda. Le fils de Museveni est lié à Paul Kagame, qui serait même son oncle, et qui soutient clairement l'Ouganda, alors que d'autres généraux ne vont pas dans le même sens. Mais nous savons que nous mettons dans le même panier l'Ouganda et le Rwanda, mais pour des raisons diplomatiques et aussi stratégiques. Le premier ennemi que nous avons dénoncé reste le Rwanda. Mais l'Ouganda, nous avons déjà dit, dans les rencontres que nous avons, nous le considérons également comme étant partie prenante de l'agression de la RDC. Mais le premier responsable, c'est le Rwanda de Paul Kagame. Alphonse Kasongo. Alphonse demande pourquoi la communauté, le commandement des East African Force n'est pas donné au FARDC. Bon, mais je crois que c'est dans les pratiques. Parce que les FARDC, c'est une force régionale. Il vient dans votre pays. Et puis vous êtes des deux côtés, ça ne marche pas. Souvent, c'est ce qui se passe. C'est la raison pour laquelle le commandement, par exemple, de la MONUSCO, n'est pas donné à la RDC. Les troupes de la MONUSCO, on aurait pu poser la même question pour les troupes de la MONUSCO. Pourquoi est-ce que les troupes de la MONUSCO ne sont pas sous commandement des FARDC? Donc, ça sont des arrangements au niveau international. Il n'y a pas de problème pour cela. OK, merci, honorable professeur. Donc, j'ai au moins à peu près 10 personnes, mais je vais donner 3 et puis on va lire encore 3 questions. Il y a quelqu'un qui était connecté puis est parti, c'est Jean-Aimé Mbiabondo, suivi de Andambou Lamodipa, comme ça, et puis Nix. Alors, nous commençons avec Jean-Aimé Mbiabondo. Jean-Aimé? Oui, merci beaucoup, professeur. Merci, papa. Non. Professeur, j'ai une question pour vous. C'est par rapport aux enrôlements et aux élections. Si je vous pose la question, c'est parce que vous êtes législateur. Vous avez décidé que les États-Unis, le Canada et d'autres pays, 5, 3 autres pays, soient parmi les pays pilotes.
Mais je ne sais pas si, professeur, quand vous parlez, par exemple, des États-Unis et du Canada, vous avez, la loi électorale a décidé que les élections doivent se faire au siège de la représentation dans les pays. Donc, pour nous, aux États-Unis, c'est à Washington. Est-ce que avez-vous évalué la dimension géographique des États-Unis? Moi, par exemple, je me trouve maintenant à Atlanta, à Georgia. Comment ferais-je pour arriver et aller à Washington, m'enrôler? Et vous savez que ici, nous, tout le monde presque travaille ici. Quel sacrifice que vous demanderez au peuple congolais qui sont à l'étranger de faire des milliers de kilomètres pour aller s'enrôler et passer, je ne sais pas, autant de jours pour aller à Washington, les séjours, les logements, les transports? Est-ce que avez-vous tenu compte de tout cela? Est-ce que vous avez vraiment travaillé pour que les peuples congolais puissent s'enrôler ou soit effectivement pour faire du plaisir, non, voilà, on va s'enrôler, mais sans tenir compte de la réalité de chaque pays? Je vous remercie. OK, merci Jean-Aimé. Nous passons à Andambu Lamodipa. Oui, merci pour la parole, les organisateurs, merci bien. Je remercie aussi l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata, pour cette opportunité qu'il nous donne de lui poser des questions. Merci aussi à leurs excellences, Monsieur Georges Dzongala-Talaja et à Madame Marie-Hélène Matebo-Lowumba, qui est notre ambassadrice à Washington et qui, depuis plus d'une année, fait un travail formidable pour unifier notre communauté congolaise. Il faut donc, pour ce faire, lui prêter main forte. Voilà, ma question est toute simple. Elle sera en deux volets, si vous me le permettez. La première, sommes-nous, oui ou non, officiellement en guerre contre le Rwanda? D'abord, est-ce que la guerre a été déclarée formellement contre le Rwanda? C'est ma première question. Et ensuite, si c'est le cas, vous savez tous que la diplomatie sans les armes, c'est un peu faire de la musique sans instrument. Très souvent, ce qui se passe à notre niveau, nous allons à la table des négociations sans avoir engagé de victoire militaire. Et on va négocier. Du coup, notre discours aujourd'hui devient inaudible au niveau de la communauté internationale. D'autant plus que récemment encore, la Cour des comptes vient d'épingler notre gouvernement sur des dérapages fréquents au niveau de notre budget militaire, ce qui montre déjà à notre niveau, excusez-moi le terme honorable, un manque de sérieux. Non seulement nous ne mettons pas, nous ne gérons pas bien notre argent pour notre armée, ça c'est un, ce qui fait que les soldes des militaires ne sont pas toujours acheminés comme elles devraient être, non seulement ça, et en plus, les soldes des militaires, en réalité, n'ont pas véritablement augmenté. Ça, c'est le rapport de la Cour des comptes. Pour un général de l'armée de notre pays, il touche plus ou moins 200 dollars américains, et un soldat de troupe, en réalité, n'a vu son solde augmenter que de 10 dollars. Déjà, ça pose un problème. Je sais qu'il y a la loi de programmation militaire qui va certainement revoir les choses, mais toujours est-il, nous allons à la table des négociations sans engager aucune victoire militaire. Comment peut-on prendre la main? Ça, c'est ma question. Et évidemment, cette question est valide si on répond à la première question, sommes-nous, oui ou non, officiellement en guerre contre le Rwanda? Avons-nous déclaré la guerre contre le Rwanda? Merci pour cette opportunité. Merci à vous. OK, merci. La troisième personne, c'est Nix. Nix, vous posez la question. Essayez un peu d'être succinct, puisqu'on a 6 personnes et puis les autres qui ont pesé par écrit, puisque jusque-là, nous avons consommé 1h26. Et c'était prévu pour 1 heure seulement. Alors, nous allons demander l'indulgence de l'honorable professeur, voir si on peut vraiment terminer ces questions pour que les gens ne s'énervent pas. Alors, Nix, brièvement, là, une ou deux questions, brièvement, s'il vous plaît. Merci beaucoup de l'opportunité. Honorable monsieur le vice-président, la première question, c'est en rapport avec la loi qui avait été votée tout récemment, faisant allusion qui prohibe toute négociation avec les groupes armés, y compris les M23,
et d'autres groupes armés tels que nous le savons au Congo. Nous en avons toute une marmaille de groupes armés dans la partie est. Pourtant, dans l'entendement de la communauté East African Community, vous allez vous rendre compte qu'il y a deux phasages entre ce que notre Parlement et notre gouvernement, dans l'entendement de notre Parlement, qu'il ne faut pas négocier avec les groupes armés, y compris le M23. Vous allez vous rendre compte que East African Community est dans la logique des négociations avec les groupes armés, en général le M23 en particulier. Vous n'avez qu'à voir les balais diplomatiques qu'il y a eu de Uhuru Kenyatta, de Lorenzo et tout le reste. Lorenzo est de l'Angola, il n'est pas concerné, mais quand vous voyez la démarche du processus de Nairobi, telle que menée par Uhuru Kenyatta, ils sont dans une logique de négociation avec les groupes armés. Donc, je pense que, je ne sais pas, est-ce que cette loi est réaliste? Ça, c'est la première question, le premier volet de la question. Deuxièmement, connaissant les difficultés que nous avons dans notre armée, l'armée de la République démocratique du Congo, est-ce que cette loi est réaliste qu'on ne saura pas négocier avec tous les groupes armés si on ne sait pas les éradiquer complètement? La deuxième question rapidement, et je vais terminer par là, c'est en rapport avec des théories. Bon, vous êtes spécialiste du droit constitutionnel, nous faisons quand même des recherches dans le domaine des organisations régionales. Plusieurs théories, telles que les théories de Karl Deutsch, les théories de sécurité communautaire ou sécurité de communauté, ou Regional Security Complex de Bouza, montrent clairement que dans les organisations régionales, pour que les gens entrent dans la défense collective, il s'y est d'avoir le minimum de confiance. On ne peut pas avoir des opérations militaires conjointes avec les gens qui ne sont pas en odeur de sainteté, avec les gens qui ne sont pas sincères. Vous avez parlé des Kagame, des Museveni et j'en passe. Les gens de East African Community ne sont pas sincères. Je me demande pourquoi nous devons œuvrer avec eux. Parce que tous ces pays sont déjà membres de la CIRGLEP auxquels vous avez fait allusion, qui sont membres de East African Community, sont au même moment membres de la CIRGL. Est-ce que ça valait la peine de voler ensemble ou de faire route ensemble avec des hommes d'État qui ne sont pas sincères vis-à-vis et du président de la République et de la communauté congolaise? Je vous remercie. Merci Nix. Honorable professeur, vous avez la parole. Merci. La première question à laquelle je réponds, c'est celle de notre compatriote Jean-Aimé Mbia au sujet de l'enrôlement et des élections. Il dit, la loi électorale a parlé de l'enrôlement dans 5 pays, et puis pourquoi est-ce qu'on doit le faire seulement dans la capitale? Il y a tellement de sacrifices, et ainsi de suite. Bon, la réponse est d'abord celle-ci. D'abord, l'enrôlement, les 5 pays pilotes, ils ne sont pas choisis au terme de la loi. Là, ce sont les mesures d'application de la CENI. Donc, si vous lisez la loi électorale, la loi elle-même ne vous dit pas qu'on a choisi 5 pays pilotes. Ça, c'est dans les mesures d'application de la CENI. Bon, je suis d'accord avec Jean-Aimé que ce sont des longues distances. Le même problème a été posé par toi à Cape Town. Dis non, nous sommes à Cape Town, en Afrique du Sud, nous ne savons pas aller à Pretoria. Nous sommes à Marseille, nous ne savons pas aller à Paris. Bon, au Canada, le Canada est vaste, nous ne savons pas aller à Ottawa. Donc, ce qu'on doit dire, ceci d'abord. Le président Félix Tshisekedi, dans le souci, dans notre souci commun, et nous tous, comme citoyens congolais, nous voulons faire avancer la démocratie. Depuis que nous avons commencé le cycle électoral, nos compatriotes de l'étranger n'ont jamais voté. C'est pourquoi on fait un premier pas. Et moi, j'appartiens à ces gens qui disent, bon, lorsque nous faisons un premier pas, apprécions d'abord le premier pas. Ça n'a jamais existé. Nous faisons un premier pas, mais il y a des problèmes. Nous avons choisi 5 pays pilotes. Mais ceux qui sont en Algérie peuvent aussi contester. Ils vont nous dire, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi les États-Unis, on n'a pas choisi le Nigeria? Pourquoi est-ce que vous avez choisi le Canada et vous avez oublié l'Éthiopie où nous sommes également nombreux? Au Kenya, nous sommes nombreux comme Congolais.
pourquoi vous ne nous avez pas choisi, vous avez choisi la Belgique. Mais ils comprennent que ce sont des étapes pilotes. Nous avançons, Rome n'a pas été construite en un jour. Même dans les pays où vous êtes, aux États-Unis. Mais les États-Unis viennent d'où pour être la démocratie que nous avions aujourd'hui? Mais le Canada vient d'où? La France elle-même, elle était sous la dictature. Tout ce qu'on connaît là. Donc, la démocratie, elle est en construction chaque jour. Ne nous plaignons pas trop. Je comprends avec que Washington est loin. Mais c'est aussi le résultat de... Nous devons être quand même pour la défense de notre pays. C'est aussi un signe que le Congolais aime sa patrie. Nous devons être prêts à des sacrifices. Si certains sont prêts à des sacrifices suprêmes, donner leur vie pour la RDC. Mais nous pouvons accepter que payer un billet de 500 $, 800 $ ou un séjour, je peux le faire. Parce que j'aime mon pays. Parce que je suis patriote. Je vais dépenser 1 000 ou je sais combien de dollars. Mais il y a des gens qui sont prêts, des personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour le pays. C'est aussi un signe de patriotisme. Nous devons prendre des sacrifices. Quand nous voulons construire quelque chose de grand, construire, comme nous dit le préambule de la Constitution, un pays grand au cœur de l'Afrique, cela demande des sacrifices de chaque Congolaise et de chaque Congolais. Nous devons l'accepter. Je comprends qu'il y a des sacrifices, mais il y a des sacrifices que nous devons prendre dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de la démocratie, parce que nous avons voulu ce pays. Depuis l'indépendance, nous lui avons donné quel nom? République démocratique du Congo. Et la démocratie coûte. La démocratie, c'est l'un des régimes les plus coûteux. Nous devons accepter de prendre les sacrifices. Évidemment, à la longue, le cycle qui viendra, il y aura sûrement des bureaux en Californie, au Texas. Il y aura des bureaux à Moncton, en dehors de Ottawa et d'autres, ou à Winnipeg, ainsi de suite. Voilà donc là, pour notre compatriote Jean-Aimé Mambia, notre compatriote Andambou.